Bonjour à tous, voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de vous le présenter, longtemps, ça fait un mois qu'on est dessus. Je ne vais pas donner de nom, parce que ceux qui regardent la vidéo, y en a qui regardent, ils sont pas magiciens, donc on va essayer d'en dire le moins possible, mais en regardant le titre, vous avez compris de quoi on parle. Voilà, donc c'est tout Jérôme qui fait, on a mis un mois avant de trouver vraiment au résultat qu'on avait vraiment envie de... Que ça soit parfait, pas parfait, mais à notre goût. Donc là, il y a un vrai Rubik's Cube. Et ce qui reste sur la table, eh bien, il y en a encore un autre. Mais c'est tout, il n'y en a pas deux. Donc il y en a un qui est vrai et l'autre, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas un vrai. Juste pour le plaisir, je vais m'approcher. Si tu veux, tu as envie de voilà, montrer. Alors je ne sais pas si on peut le montrer de très près, parce que le but d'un Rubik's... Je vais faire le tour des deux. Ouais. Le but de ces tours, c'est d'être à un mètre, plus ou moins. On fait le tour et on n'a pas besoin d'être très près. Mais si tu penses que tu peux t'approcher à la caméra, là, tu es à 10 cm. Hein. 10 cm, oui, un peu maille. C'est vrai que tu l'as fait à ton beau-père et il a pris dans les mains et il s'est fait avoir. Bon, alors, c'est bon? Tu es fier de toi? Ouais. On est fier de lui parce que c'est tout lui qui a fait. C'est tout lui qui fabrique. Donc... on a du stock maintenant, puisqu'on a, on a voulu en fabriquer avant de les vendre. Et ça aussi, c'est lui qui les fait. Donc, il y aura des autocollants en plus, ben, qui correspondent donc au Rubik qu'on donne avec. Pour une fois qu'il y a les autocollants qui correspondent au vrai Rubik's Cube. Oui, alors, on a les autocollants. On ne va pas vous en donner un, on va vous en donner deux. Deux paquets. Et le Rubik's Cube qui va bien, plus la chelle en plus. Et vu la qualité, et vu le prix, et vu tout ce qu'on vous donne, ça vaut vraiment le coup. Alors les Rubik's Cube sont des Rubik's Cube de speed cubing, hein. Donc en plus c'est une bonne qualité de Rubik's Cube. Ouais, et si par exemple vous voulez en racheter, vous les rachetez sur notre site, parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Parce que si vous allez à Toys R Us ou n'importe où, c'est à peu près dans les 18-20 euros, nous c'est largement en dessous. Et ils n'auront pas ce type de cube en plus. Et en plus, vous n'aurez pas les mêmes. Là, c'est vraiment du speed cubing. Et si vous voulez qu'il aille encore plus vite, vous pouvez les hisser pour aller plus vite. Et c'est de la très bonne qualité. Donc, le cube qui est vendu avec, le shell qui est vendu avec, les autocollants pour faire la routine. Et après, ben, vous pouvez faire que des miracles. Petite démonstration, je peux faire. Donc, vous avez classique. Hein, vous donnez une routine classique, le cube à mélanger. Donc, dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Oh, ok. C'est parti. Petite démonstration rapide. Donc, le cube, il peut vraiment être mélangé par le spectateur. Il n'y a aucun souci. Bien mélangé. On prend le cube, on le met dans le sac. On attend, je ne sais pas, peut-être quelques secondes, le temps que la magie opère. Après, il suffit de mettre la main dedans, de le récupérer, et hop, c'est refait. Donc, pour ceux qui me disent peut-être qu'il y a quelque chose dans le sac... On regarde, et eh ben non, il n'y a rien du tout. Moi je le plie donc il n'y a pas besoin de. Si tu... Toi tu veux vraiment voir dedans. Bon, on sait jamais, pour qu'il y en a qui pensent que si c'est en papier à l'intérieur. Ah oui, en papier. J'aurais jamais pensé, tiens, on va y penser, on va en fabriquer en papier. Donc là il n'y a rien. Ça existe, hein. Oui, bon alors. Et voilà. Donc, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est. Ça vaut le coup. Pour ceux qui aiment faire les tours de Rubik's Cube, d'avoir ça en sa possession, ça, on peut faire plein de trucs. Il y a plein d'idées qui peuvent vous venir avec. Mais au niveau du prix, vous êtes loin des 150. Si vous prenez toute la complète de ce qui existe déjà. Voilà, ça vaut le coup. Pour un petit prix et de la bonne qualité. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils sont plus costauds que les premiers. Alors, il y a eu des premiers en impression 3D, mais qui étaient catastrophiques, hein, il faut le dire. Oui, ils cassaient facilement. Ben non, mais ça cassait parce qu'en fait, il n'y avait pas de relief. C'était très fin. Alors là aussi, ça reste très fin, mais en fait, sans en dire trop, c'est une impression avec des doubles parois. Donc du coup, ça reste quand même assez rigide. Donc du coup, même si vous appuyez dessus...
Je veux dire, à part appuyer comme un sourdingue dessus, mais ça reste quelque chose de costaud par rapport à la finesse, on va dire, de la chaîne. Oui, alors impression en 3D... Parce que c'est plus fin que les chaînes moulées, voilà. C'est ça que je voulais dire. On va pas trop en dire trop, mais il y a des nouveaux qui sont sortis qui sont du moulage, hein, ou du thermomoulage peut-être. Ouais, là, donc, c'est beaucoup plus épais. Là, c'est quand même beaucoup plus fin, mais c'est très costaud aussi. Donc, autocollant, cube, shell, et tiens, je vais vous mettre le sac avec, si vous voulez. Allez, cadeau. Pour les 100 000 premiers, je mets le sac avec. Et voilà, donc, moi, je pense que déjà, ça vaut le coup, rien qu'au niveau du prix et de la qualité. Donc, faites-vous plaisir si vous en avez besoin. Si vous ne savez pas faire des tours de Rubik's Cube, par exemple, ça c'est très bien comme truc. Il sera vendu vierge, bien évidemment. Il sera vendu vierge, donc vous n'aurez plus qu'à coller vous-même. Donc on vous montrera d'une façon très rapide pour les coller et que ça soit droit. Pour ceux qui aiment, comme je disais, ceux qui ne savent pas faire les tours de Rubik's Cube, par exemple, si vous voulez faire la routine très simple, c'est ce que je viens de faire. Vous donnez le cube à mélanger, vous le mettez dans le sac et il est refait. Mais pour ceux qui savent faire du cube 3 et tout ce que vous faites dans Rubik's Dream et tout ça, toutes ces manipulations, vous pouvez l'associer avec ça et c'est très très bien. Si par exemple vous dites oui mais j'ai déjà un Rubik's Cube, est-ce qu'il va aller dedans? Je sais pas. De toute façon, il faut avoir vraiment celui que j'ai sur mon site pour avoir les mêmes couleurs et pour que ça corresponde. Donc vu le prix comme que les vend, autres voilà comme les manière, autres aussi. De toute manière chaque shell est adapté à son cube, donc si vous devez acheter ça et vous savez que déjà je vous en donne un, mais si vous avez besoin d'un autre ou quoi, rajoutez une misère, je crois que c'est dans les 10 euros, et au moins vous avez toujours la même qualité, la même couleur. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez des likes, inscrivez-vous et à bientôt, à tout bientôt, au revoir.